بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Qu'Allah vous guide. Comme à chaque fois, je vous rappelle que nous avons beaucoup de choses en commun, que nous avons beaucoup de choses qu'on aime. On aime la justice, on aime le bien sous toutes ses formes. Et on peut démontrer à nous-mêmes et à la planète et aux gens qu'on peut vivre bien en symbiose, en se respectant. En se respectant. Je te respecte, respecte-moi. Fais ce que tu veux. Je ne peux pas t'obliger à faire des choses que tu ne veux pas. Mais ne m'oblige pas aussi à rentrer dans ton moule à toi. Dans un moule catholico-sionisto-fromassono-satanique. Je ne sais pas si je vais me rappeler de celle-là. Catholico, sionisto, fromassono, satanique. Ah, satanique, c'est la première fois que je sors cette phrase. Qu'Allah te guide, qu'Allah me guide, qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un frère qui me parle. Mon frère, tu as peut-être constaté comme moi une aggravation de la décadence en ce sens où les dérives sont de plus en plus poussées et grossières. En parenthèse, par exemple, regarde le nombre de visualisations du compte, ok, une émission de télé-réalité sur Dailymotion. Mon frère, je me pose de lourdes questions. J'ai bien peur que dans quelques années, je ne pourrai plus rien comprendre de ce bas monde. Que le monde prône la perversion et la déchéance comme une mode, un bienfait, un exemple, me choque énormément. Autre constatation, le fait de lire pour s'enrichir, s'élever, entre parenthèses, tels les ouvrages parlant de spiritualité, de métaphysique et de religion, est devenu obsolète et ringard pour la jeunesse, entre parenthèses, habituée à jouer aux jeux vidéo, à sortir, faire du sport. Personne dans mon entourage ne lit de livres. Et la remarque la plus flagrante est la suivante. C'est trop dur de lire, entre parenthèses, un gros livre. Que conseillerais-tu à la jeunesse, consommation de rapidité médiatique et addictive? Que pourrais-tu leur dire? J'espère que tu as bien compris le sens de ma démarche, car je me fais beaucoup de soucis de voir cet état de fait dans cette jeunesse dont je ne reconnais plus. PS, parenthèse, tu auras compris que je ne parle pas ici de tous les jeunes. Masha'Allah, il existe encore des jeunes recherchant l'excellence. Qu'Allah te facilite dans tes actions et nous guide en ces temps de fitna très avancés. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Barakallahu fik, voici un frère qui souffre un peu, ou qui souffre beaucoup, de l'état, de la décadence du monde. Eh ben oui, Shaitan a bien travaillé, les bras droits de Shaitan ont bien travaillé, ceux qui dirigent le monde, qui veulent qu'il soit un monde de consommation pure de tout ce qui bouge, qui veulent un monde immoral, ils ont réussi à gagner quelques batailles. Donc chacun de nous va devoir commencer à se réveiller lui-même et à réveiller ses proches et surtout à réveiller des enfants s'il les a. Si Allah lui donne le bienfait d'avoir des enfants, qu'il les habitue très jeunes à ces belles choses qui fabriquent et qui fondent et qui travaillent et qui élèvent la personnalité humaine vers les horizons de la sagesse. Oui, la lecture est une chose extrêmement importante. Le premier mot dans le Coran qui est descendu sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra, Iqra, Bismi Rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka al-akram.
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Regarde le mot Iqra se répète deux fois. Lis. Lis. Au nom de celui qui a créé. Lis. La lecture, c'est extrêmement important. L'ouverture de l'esprit, l'élévation de l'esprit, faire avancer l'esprit vers les horizons de la sagesse, est une chose conseillée, recommandée aux musulmans. Le musulman n'est pas quelqu'un de borné. Le musulman n'est pas quelqu'un d'obtus. Les musulmans n'est pas quelqu'un de rigide. Le musulman n'est pas quelqu'un de fermé. Et pour atteindre ces horizons-là, il faut qu'il lise. Il faut qu'il apprenne. Lors de la bataille de Badr, qu'est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait des prisonniers de guerre? Est-ce qu'il les a tués? Est-ce qu'il s'est dit, ils ont massacré ma famille? Est-ce qu'il s'est dit, ils ont massacré mes proches? Est-ce qu'il s'est dit, ils m'ont encerclé, ils m'ont affamé, ils m'ont lancé des injustices? Il ne s'est pas dit ça. Il a dit à chaque prisonnier de guerre, de cette guerre de Badr, pour que je te libère, pour que tu obtiennes ta liberté, il faut que tu apprennes à 10 musulmans à lire et à écrire. Chauffe, subhanallah. Regardez mes frères. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la jeunesse, il y a un système qui a voulu ça. Il y a un système satanique qui a voulu ça. Il y a des parents démissionnaires. Il y a une école démissionnaire. Il y a un monde où la consommation à tout va est devenue une dièse, est devenue une forme de vénération. Ce qui fait que les gens n'adorent, le verbe adorer, je l'emploie vraiment bien, parce que les gens adorent, vénèrent les futilités. Tu souffres, je souffre mon frère, quand je vois le niveau de la jeunesse et de la vieillesse. Kif kif. Ça ne lit pas. Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne lit pas. Ils ont fait une statistique dans les pays arabes. Statistique mondiale apparemment. Qui a démontré que les arabes lisent 10 minutes par an. 10 minutes par an. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Ici, ma mémoire est bonne, ils ont dit que les Européens, les Américains, lisent en moyenne 12 000 pages par an. Tu les vois dans les centres commerciaux, comme ça, allongés à lire, même des BD. Tu les vois dans les métros, en train de lire, tu les vois. Ceux-là, qui ne sont même pas musulmans, et regardez comment ils aiment la lecture. Mais cette Ummah, qui on pense qu'elle est musulmane, mais elle est musulmane que par le nom, celle-là ne lit plus, ne lit rien. Même son livre, elle ne lit pas. Elle ne le lit pas. Même sa référence absolue, elle ne le lit pas. Dans le Coran, « Ya Rabbi, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. » Oh mon Seigneur, ma tribu, mon peuple ont délaissé ce Coran. Ils l'ont vraiment délaissé. Ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Ils l'ont laissé. Tu rentres dans une maison, tu trouves le Coran et il y a le sable et l'argile dessus. Il y a la poussière dessus. Il y a peut-être même les scorpions dessus. Personne ne le lit. On le met sur les murs. On le met dans, comment, pour embellir les librairies, pour montrer qu'il y a beaucoup de livres et qu'il y a le Coran dedans. Mais il n'y a plus de lecture. Les gens ne lisent ni le Coran, ni la biographie de Mohammed, ni les choses qui te permettent de t'élever. Mais comment tu peux, monsieur le jeune, comment tu peux vivre dans ce monde si tu ne connais rien de ce monde? Si tu ne vois le monde que par le prisme de la télé-réalité. À la Luana. Luana, elle est dépressive. Elle a fait 2-3 tentatives de suicide. Luana, c'est elle qui a inauguré la télé-réalité. Comment tu peux la prendre comme exemple? Comment tu peux regarder ça? Concentre-toi sur le livre. C'est ça. Et le premier livre à lire, c'est le Coran. Puis, la biographie, la sirah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis, la vie des sahabas. Puis, des livres, toute forme de sagesse. Toute forme de sagesse. Lis au maximum. Aime le livre, ton seul ami, c'est le livre. Il va te rendre beaucoup de services. Il va te faire vivre beaucoup de vie. Il va te faire vivre la vie des rois, la vie des empereurs, la vie des faibles, la vie des forts, la vie des riches.
Et il va te faire vivre dans des horizons que tu ne peux pas imaginer. Et il est mieux que le feuilleton, et il est mieux que l'épisode, et il est mieux que le film. Il t'élève, lui. Réveillez-vous. Mais ici, cette génération est à côté de la plaque, préparons d'autres générations. Ça ne coûtera quoi? Ça ne coûtera quoi de le faire avec nos enfants, de leur apprendre la lecture et la sagesse. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Propagez cette vidéo. Barakallahu fikum. Aslahallahu alaykum dunya wal akhirah.